comme directeur du programme de sécurité en Afrique subsaharienne de la Fondation Konrad Adenauer. Je suis très content que le chef d'État, le président, a trouvé du temps de parler avec nous. C'est-à-dire que j'ai trouvé que le président pense que le programme de la Fondation Konrad Adenauer est une chose de quelques importances pour les grands projets de réforme des secteurs de sécurité. Et on a parlé sur l'avenir de notre coopération. Et j'ai une bonne impression que notre travail ici au Bénin, qui en a commencé en 1992, va continuer de bonne qualité et avec un grand partenariat avec le gouvernement du Bénin. Pour le Bénin, au moment où on a commencé de former des jeunes officiers, des formations de formateurs, des jeunes officiers de l'armée, de la gendarmerie et de la police nationale, sur le rôle des forces de sécurité dans un État démocratique. Et l'impact est, j'espère que les jeunes officiers sont bien éduqués sur la séparation des pouvoirs et sur le rôle qu'ils jouent en relation avec la population du Bénin et d'améliorer ou assister le processus pour améliorer les relations entre la population et les forces de sécurité ici au Bénin.